Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Nombreux sont les scientifiques qui ont permis de faire évoluer notre conscience du monde et de l'humain. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'une femme dont l'investissement et l'amour de la nature lui ont permis de bouleverser nos connaissances sur l'homme. D'un tempérament bien trempé, combative et obstinée, elle a bouleversé les codes de son époque. Il s'agit de Jane Goodall. Éthologue et anthropologue anglaise, née le 3 avril 1934 à Londres. L'éthologie est l'étude scientifique du comportement des espèces animales, incluant l'humain, dans leur milieu naturel ou dans un environnement expérimental, et l'anthropologie est située à l'articulation entre les différentes sciences humaines et naturelles qui étudient l'être humain sous tous ses aspects, à la fois physiques et culturels. Fille d'un ingénieur et d'une mère au foyer, passionnée par les animaux et végétarienne, sa scolarité l'amène à exercer le métier de secrétaire. Rien de bien original pour l'époque et qui ne la destine pas forcément à une carrière scientifique de renommée internationale. Pourtant, en 1957, alors que Jane n'a que 23 ans, une invitation va bouleverser son destin. En effet, une amie l'invite au Kenya, pays africain dont le nom correspond au plus haut sommet montagneux qui signifie « montagne de l'autruche » et qui renvoie aux couleurs des pics qui sont blancs avec la neige et noirs avec les rochers ressemblant au plumage de l'autruche mâle. Quoi de plus fantasmagorique pour une jeune londonienne amoureuse des animaux et de la nature que de découvrir un nouveau territoire rempli d'espèces mythiques? Les bagages se font avec hâte, et Jane n'attend qu'une chose, découvrir ce merveilleux pays. Une fois sur place, les connaissances de son ami vont lui permettre de rencontrer le docteur Louis Leakey, un archéologue et paléontologue célèbre qui effectue d'importantes fouilles dans la Corne de l'Afrique. Elle deviendra sa secrétaire. À cet instant même, le travail quotidien effectué par le scientifique lui ouvre un champ de réflexion qui la conduise en 1960 à partir pour une expédition inédite. Intégrer un groupe de chimpanzés pour l'observer. Passionnée et souhaitant apprendre, elle mettra 6 mois pour se faire accepter. Leur comportement ne la laisse pas insensible. Certaines similitudes avec l'être humain la dévorent de curiosité. Elle décide donc de vivre seule, parmi eux, pour mieux les observer. Pour cela, elle s'installe dans la région du lac de Tanganyika, en Tanzanie, dans ce qui est aujourd'hui le parc national de Gombe Stream. Elle commencera alors la plus longue expérience jamais réalisée, en vivant dans l'environnement et avec ses sujets d'études. Comment fait-on pour entrer en contact et s'isoler dans un nouveau monde où tous les codes comportementaux sont à déchiffrer? Comment fait-on pour oublier sa part d'humanité et retrouver un instinct sauvage? Jane a une grande sensibilité qui va lui permettre de cohabiter tout d'abord et de s'intégrer ensuite au reste du groupe. Sa rencontre avec ses hôtes se fait de manière sensible et intuitive. Au même moment, Hugo van Lowick, un jeune photographe néerlandais, arrive pour effectuer des photos mais également des vidéos de Jane lorsqu'elle est immergée dans l'habitat naturel des chimpanzés et de nombreuses interactions seront ainsi filmées et conservées. En octobre 1960, elle observe un chimpanzé en train de fabriquer et d'utiliser des outils pour attraper des termites.
Cette révélation va envoyer une onde de choc sur le monde scientifique et sur la conception bien singulière que nous avions de l'homme comme celui qui seul possède cette faculté de la technique ou du comment faire pour arriver à une finalité. Jusqu'à ce jour, la vision de l'homme par l'homme était encore coupée du règne animal. Grâce à ses recherches, Jane a su démontrer que les attributs dont nous dotions l'homme étaient également reconnaissables dans le comportement des chimpanzés. Ils sont munis de capacités intellectuelles leur permettant de chasser pour se procurer de la viande. Ils utilisent des outils et les membres d'une même famille maintiennent des liens forts et durables toute leur vie. Finalement, sa plus grande surprise n'a pas été de le découvrir, puisque intuitivement, Jane se doutait de tels comportements. Son étonnement réside dans le fait que personne ne l'avait encore jamais observé et remonté comme données scientifiques. Encouragée par son patron, Jane va réaliser un parcours doctoral alors qu'elle n'a même pas de diplôme universitaire. En 1965, elle soutient sa thèse de doctorat d'éthologie. Au fil de ses observations et de ses recherches, elle a su rapprocher l'humain du chimpanzé et les remettre sur une même ligne évolutive. Jane avait donné des noms aux chimpanzés qu'elle côtoyait. Ils étaient membres de sa famille et leur comportement le confirmait. La barrière animal-homme s'effondrait. Ses travaux continuent de manière moins locale. Elle décide d'étudier des chimpanzés de différentes régions et constate des différences dans le comportement. Pourtant, le milieu environnemental est similaire. De ses observations, Jane en déduit que le chimpanzé bénéficie aussi d'un développement culturel comparable à l'homme. Toutes ces études ont bouleversé notre perception de l'animal. En redimensionnant l'ego humain, le replaçant dans la grande chaîne évolutive et mettant à jour des comportements chez des chimpanzés qui relèvent d'une même intelligence et sensibilité. En 1977, en Californie, Jane Goodall fonde l'Institut Jane Goodall pour promouvoir la recherche, l'éducation et la conservation de la faune qu'elle dirige encore à 85 ans, continuant à parcourir le monde pour que l'homme protège et respecte son environnement. L'année dernière, le réalisateur américain Brett Morgan la dévoile dans un portrait intime comme la grande protectrice de l'environnement, celle qui rêvait d'être un homme pour faire des choses réservées aux hommes, comme elle sait si bien le dire. Et surtout, il compile des images inédites de la jeune Jane tournée dans les années 1960 à Gombe par Hugo Van Lawick. Ce documentaire nous plonge dans la forêt africaine. Je vous conseille vivement de le regarder. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Il s'intitule Jane. La vie de Jane, où le privé et le public se mélangent, les moments sensibles avec les chimpanzés, les découvertes, ce rapprochement femme-animal, doit nous permettre d'ouvrir les yeux sur des choses oubliées. En 2019, où notre environnement est saccagé pour plus de ressources et de croissance, nous devons impérativement être interpellés par notre incapacité à ressentir le vivant. Si nous mettions chacun en nous une petite dose de Jane Goodall sur notre perception de la faune, de la flore et du vivant tout entier, alors nous serions peut-être en capacité de modifier notre avenir. Il suffit d'une dose. Les paysages que nous dessinons autour de nous sont le reflet du lien que nous entretenons avec la nature. Et c'est bien dans la communion, en resserrant nos liens et en nous inspirant d'elle, qu'un avenir serein se dessinera. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi ? Green, oui ! Green, comment ? Oh, super green, aussi green que ça peut être. Green, la puissance des green, tu vois ? Mais tu vois le green, absolument green, un green, plus green.